crois que le 4 janvier 59, j'étais encore ici. Mais c'était une journée où on ne devait pas mettre son nez dehors. Il y a eu des légendes. On a dit qu'on a vu des bouts d'hommes transporter des choses incroyables. Donc des gens surnaturels sortir de je ne sais où. Mais vous savez, quand il y a une révolution quelque part, les gens décuplent leur force et deviennent insaisissables. Et les protagonistes de cette affaire en ont tout le mérite, parce que ce jour-là, Léopoldville a bougé, et le Congo avec. C'est pour dire à beaucoup, lorsqu'on dit que le quinoa est impassible, le quinoa est sibarite, le quinoa est ceci, mais c'est tout à fait des clichés faux, parce que c'est d'ici, de Léopoldville, que sont partis tous ces événements qui ont, n'est-ce pas, fait en sorte que il y a eu ce que vous savez, l'indépendance et tout ça. Tout s'est enclenché ici. Ça se passe un dimanche. Bon, là, je ne sais pas. Ça se passe un dimanche. Nous sommes à l'Orgagnon. On s'apprêtait pour descendre parce que l'événement avait été annoncé, il y aurait un grand meeting. Mais il y a eu un problème de mobilité, je pense, le bus n'est pas arrivé. Bon, alors quand il est arrivé, nous sommes arrivés en retard à l'arrêt et nous sommes restés. Et le soir, nous avons entendu quelques coups de feu. Non. On est venu nous dire que ça a mal tourné à chose à Inca, à Kinshasa, au meeting là-bas. Alors on a commencé à attendre des nouvelles, non, les gens ne circulent pas, on va annoncer un couvre-feu, et ceci, à cela, tout ça. Alors nous avons eu au niveau de... On attendait ceux qui étaient descendus pour qu'ils nous ramènent des nouvelles. Alors on a commencé à parler de mort d'homme, on nous a situé plus ou moins comment ça s'était, tout ça. Alors le plus grand orateur au campus, à l'Ovalium, là, en ce moment-là, c'était qui c'est José Alidor Cabella. Celui qui était à la place rouge, enfin ce qu'on appelait après la place rouge, c'est lui qui était là à la place de la Révolution et qui haranguait et qui condamnait tout avec les mapoles et tout. Et c'est le lendemain ou plus tard que on a commencé à apprendre, à avoir, n'est-ce pas, quelques précisions, que voilà, il y a eu un coup de feu, il y a eu ceci, il y a cela, tout ça. Alors le lendemain matin, bon, tout le monde s'est précipité pour descendre, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait à la ville. C'est comme ça qu'on a eu des nouvelles. D'abord, nous avons été choqués. Fortement choqué parce que on dirait que les émeutes du 4 janvier, les magasins de plantes. Alors que les émeutes du 4 janvier doivent s'analyser en réaction de la population quinoise contre l'autorité administrante pour avoir refusé d'autoriser à Kasavubu de prononcer son discours. Comme j'ai eu à vous le dire, Kasavubu voulait parler ces jours-là.
D'abord, Kazaoubou était bourgmestre de Denda et en même temps président de la BACO. Et il voulait parler plus en tant que président de la BACO qu'en tant que bourgmestre de Denda. Lorsque l'autorité administrante a appris cela, a interdit cette manifestation. Et Kassaboubou est rentré chez lui. D'ailleurs, ce discours devait être prononcé à Inca, qui était en face de lui. Sa maison était en face de l'Inca. Il est rentré chez lui, mais il y avait un match. Derim contre le club. Et le match s'est mal terminé. Tous ceux qui sont sortis là-bas étaient en colère. Et quand ils ont appris encore qu'on avait refusé à Kassaboubou de faire son discours, il y avait encore des mécontents qui étaient dans la rue. Eh bien, le sang a monté très vite et ça a dégénéré. Et par la suite, on arrêtera Kassaboubou, Zezalandou, Ganza. Mais après les discours du roi et celui du gouvernement, la détention préventive sera commuée en un voyage en Belgique. Voilà, c'est ça. Hier, on a abouti à l'arrestation des dirigeants congolais, Kassaboubou, Pinziarty et tous ces gens de l'époque. Kassaboubou voulait s'enfuir, mais il a rattrapé, c'est la route de l'Ovanim là-bas. Et après, on les a envoyés en Europe, je crois. On les a envoyés en Europe, c'est ainsi qu'ils ont été libérés d'ailleurs. À partir de ce moment-là, il y a une fermentation. L'arrestation des dirigeants de la BACO a créé cette fermentation de la classe politique congolaise. Les Belges ne peuvent plus étouffer. C'est trop tard, les mains de fer, de fer. Et c'est ça qui a conduit au discours du roi, et au discours du ministre de l'économie, Van Nimmelrecht. Tout à l'heure, je disais que quand nous sommes venus ici en 60, et en accord avec la BACO, on croyait que les Belges allaient d'abord donner une autonomie interne. Et nous, la classe politique, on s'est mis d'accord pour proposer Van Nimmelrecht comme premier ministre du Congo. Tout ça a été sécurité, et je pense que cette arrestation qui a toujours été la vraie, parce que lorsque le pouvoir se sent ébranlé, la Belgique a eu peur. Ce qui a fait la situation connue au Congo, c'est la peur. Petit pays, il y avait un monstre qui se réveille, un éléphant qui se réveille, et Brazzaville indépendant, De Gaulle venait annoncer à Brazzaville, si vous voulez l'indépendance, vous voulez l'avoir, tout ça crée une panique chez les dirigeants belges. Et une consultation à Paris, après c'est à Londres, entre eux. Et les Belges allaient co-défendant,
il est obligé à ce moment-là de s'inscrire sa ligne de repos. Il n'était pas préparé, il n'a pas eu la... Ils ont manqué de sang-froid. Ils ont laissé le pays entre les hommes d'affaires, les puissances financières. La classe politique belge n'a pas suivi son rôle. Mais lorsqu'il y a eu ces événements, ben, les Belges ont vu que ils avaient un peu trop traîné vis-à-vis des Français. Ou lorsqu'il y a eu ces événements-là, de l'autre côté, déjà, il y avait la loi cadre de M. Defferre, qui avait déjà émancipé nos frères d'en face. Et il y avait déjà en face des ministres autonomes qui n'étaient pas tout à fait émancipés, mais autonomes. Il y avait déjà... des gens qui siégeaient comme Tchikaya Félix au palais Bourbon, alors qu'il n'y avait aucun Congolais de l'époque qui siégeait au Parlement belge. Tchikaya Félix, lui, à cette époque-là, il siégeait au palais Bourbon en France. Vous comprenez, n'est-ce pas, ces deux faits de colonisation, ces deux pensées, ces deux philosophies de colonisation. Mais il n'y a pas eu, lorsque André Malraux est parti donner l'indépendance, n'est-ce pas, au Congo d'en face, mais jusque-là, il n'y avait pas eu des échauffourées, il n'y avait pas eu ce qu'il y a eu ici, parce que ici, là, il y a eu un ras-le-bol total et complet du peuple. C'était compréhensible. Mais pour une fois, je peux vous dire qu'on était encore des adolescents, mais ce n'était pas ce jour-là. Ben, c'était comme, je ne sais pas, la prise de la Bastille en France. Il ne fallait pas mettre son nez dehors, ni être à côté de cette Bastille qui était n'est-ce pas, le colonialisme belge, qu'on avait secoué comme un cocotier, dont les mains tombaient, le malheur à celui qui était là pour recevoir... Moi, j'étais en Belgique et c'est par la presse belge que nous avons appris l'histoire des émeutes. C'est le pouvoir colonial était désemparé parce que c'était la toute première fois qu'à l'échelle d'une ville, la révolte avait éclaté. Théoriquement, on a dit que c'était parce que et ils avaient décommandé la conférence que le président Kassavubu devait donner à la population à l'époque. Il n'était pas encore président, il était le chef de la BACO. Et les gens étaient frustrés, ils ont commencé à détruire les stations d'essence, à faire commettre des actes de vandalisme. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, touchés par des balles. Et heureusement que j'étais. Il n'y a aucun membre de ma famille qui a péri dans ces mouvements. Mais quelques jours plus tard, le Kassavubu avait été arrêté avec ses collaborateurs, dont Papa Kanza et Papa Nzeza. Ils avaient été arrêtés, mis au secret. Le Kassavubu a dû se cacher pendant quelques jours parce que on avait peur que dans la foulée, on puisse l'abattre. Parce que déjà, le pouvoir colonial avait très peur de la BACO. Quelques jours plus tard, Gaston Diomi, les Pinzi ont écrit des lettres et des télégrammes, ont envoyé des télégrammes à Moscou, aux États-Unis et un peu partout dans le monde pour alerter l'opinion internationale sur ce qui s'est passé au Congo. Et à leur tour, Diomi, Gaston et Pinzi ont été arrêtés. Ils ont été gardés au secret
pendant plusieurs mois. À un moment donné, ça fait un débat très, très houleux en Belgique. Il y avait en Belgique des gens qui étaient progressistes aussi, les Blancs, qui étaient progressistes, qui voulaient l'indépendance du Congo et qui poussaient le pouvoir colonial à céder aux revendications des Congolais. Et à cause de cette pression, le gouverneur général a dû libérer Kasavubu, mais pas à Kinshasa. Ils ont été envoyés directement en Belgique, c'est-à-dire Kasavubu, Samuel Kanza, c'est Samuel Daniel. Daniel Kanza, qui s'appelait. Et puis Simon Nzeza. Ils ont été envoyés en Belgique où ils ont été libérés. Et à ce moment-là, je les voyais très souvent chez Thomas. On allait, comme on n'était pas nombreux à Bruxelles, on allait souvent chez Thomas pour le rencontrer. Parfois, il venait chez nous aussi, dans nos petits appartements. L'état d'esprit, les gens en avaient marre, ils voulaient revendiquer jusqu'à aller à l'indépendance. En ce moment-là, ouvertement, le mot « indépendance » était prononcé. Maintenant, aujourd'hui, je dirais que, malgré le fait que Kinshasa n'était évidemment pas une zone rurale, il y avait dans ces émeutes aussi un élément où le leadership n'avait pas une vraie emprise sur la masse qui, quand même, les suivait. Et que l'émeute a eu lieu largement d'une manière spontanée, et que certainement le leader de la BACO et de Lumumba et tous les gens qu'on a accusés d'avoir organisé ça n'étaient pour rien, mais que c'était quelque chose qui les échappait. Et la réaction de tout cela, c'est que dans le Bas-Congo, il y a eu un mouvement de désobéissance civile. Mais non, je me suis toujours dit ceci, que ce n'était pas un mouvement de révolution, cette histoire. Vraiment. Bon, on le fait peut-être symboliquement, mais je pense qu'il y a des gens qui ont surfait l'événement. Jusqu'à... C'est mon point de vue. Hein. C'était plus un mouvement de pillage. Un mouvement de pillage. Successive au coup de feu, bien sûr. Ce n'était pas vraiment un mouvement d'engouement révolutionnaire. Si cela a pris cette coloration, c'est parce que c'était lié aux approches dans le cadre plutôt de choses du climat politique, des transactions politiques, de la lutte pour l'indépendance que surtout le virulent parti de la BACO réclame. D'abord, ceux qui disent qu'il y a eu de grandes réactions, non. Les gens ont été plus traumatisés. Parce que, ma fille, il faut bien que je te dise ceci, c'est là où il faut faire attention avec le peuple. Nos peuples à nous ne sont pas comme les peuples européens ici. Nous crions fort, mais nous manquons le courage de défendre ce que nous crions. Ce courage-là, le suivi-là ne vient pas. Les gens, dès que les coups de feu ont commencé à tirer, dès que le ratissage a été décidé, mais tout le monde s'est terré. Moi, j'ai connu un ami commun avec Samuel Louvezo,
qu'on a tué à la porte de sa parcelle à Saint-Jean, justement, à Lingola. Sans réaction de famille, rien. Il y a un Portugais qui se trouvait au bas de la côte de la colline de Lovagnon. Un Portugais qui était là. Il tirait sur n'importe qui passait. Pendant des jours, aucune réaction, on l'a laissé. Jusqu'à ce que les gens de la police, les Blancs, sont venus le prendre de sortir de là. Non. Kazaboubou, Papa Kanza, Papa Nzeza ont été arrêtés. Mais les gens ont entendu. Quand on les a libérés, alors ils ont crié. Viva, viva. Mais quelles sont les pressions réelles qui ont joué? C'est l'opposition à la politique de droite belge, colonialiste, européenne. C'est l'ensemble du mouvement de la réaction face à ce que tu as appelé tout à l'heure la conscience africaine, à travers le monde, qui a joué. Qui ont fait que les gens ont lâché. Mais nous n'avons pas, je parle en connaissance de cause, cite-moi un cas au niveau de notre pays, Congo ou Zaïre ou quoi, où on arrête un grand leader et puis il y a un mouvement qui se suit. Trop pas. Les siens propres, ou leurs siens propres, de la Bako, parlons de la région, aucune manifestation. Tout le monde s'est terré. Ils étaient trois. Damien Kanza, Kassaboubou et Nzeze. C'est ainsi que, à un certain moment, quand Kassaboubou a voulu donner une conférence de presse, l'administrateur de qui était à l'époque avec le Fandi, c'est ainsi qu'il y a eu des émeutes à Kinshasa. Et les Européens à l'époque, que c'est Kassaboubou qui était à la base de cette histoire. On l'a arrêté. On a arrêté aussi Daniel Kanza. On a arrêté aussi Nzef. Et nous, en ce moment-là, nous étions en Belgique. Alors, les Belges métropolitains ont demandé à ce que les trois personnes viennent à Bruxelles. Ils sont arrivés. Mais c'est Thomas Kanza qui s'occupait spécialement de ces trois personnages. Ils ont fait un certain moment en Belgique. C'est ainsi que, au retour ici, tous les Congolais ont eu l'idée de demander l'indépendance. En 1959, il y a eu un match de football. Quand il y a eu un match de football, la Bako a demandé de se réunir, mais on lui a interdit de se réunir. Mais les gens de la Bako ont quand même tenu leur réunion. Et puis il y a eu des troubles. Et après ces troubles, on a trouvé que c'était la Bako. On a arrêté les gens de la Bako qui tous ont été au tribunal. Et puis après, ils ont choisi. Pendant qu'il y a eu le changement de gouvernement et on a pris seulement le président de la Bako, c'est-à-dire Kassaboubou, le vice-président, c'est-à-dire Daniel Kanza, et le trésorier, c'est-à-dire Nzeza Kouyoula, eux étaient envoyés en Belgique. Quand j'étais envoyé.
ils ont eu contact avec nous, évidemment. Quand il y a le 4 janvier, nous étions en Europe. Kassoum est venu, il a fait son discours. Même quand on a convoqué les gens pour la table ronde, à l'ouverture de la table ronde, personne ne s'attendait à l'indépendance du 30 juin, y compris nous les étudiants et révolutionnaires que nous étions. Parce que on ne voyait pas les cadres qui allaient diriger l'indépendance. Mais je dois avouer que ce n'était pas dans le milieu belge, ceux qui connaissaient vraiment les réalités du pays, qui avaient une vision de la nécessité, qui voyaient l'évolution arriver, estimaient que les arrestations n'étaient pas la formule qu'il fallait. Mais ils n'avaient pas le pouvoir nécessairement de changer la politique coloniale à l'époque.